Que le conseil municipal avait adopté une délibération de soutien à la libération demandant la libération de Marwan Barghouti, qui était vous le savez, un des principaux responsables palestiniens, qui est emprisonné depuis 2002 en Israël à la suite de faits qui lui sont reprochés, qui sont liés à la deuxième intifada. Et Marwan Barghouti était un parlementaire qui avait été élu en 96 et qui était un des principaux, une des figures de la résistance palestinienne. Donc nous avions adopté cette motion d'ailleurs à l'unanimité du conseil municipal. Et oui, vous pouvez entrer et vous asseoir. Et donc le fait que nous ayons voté cette motion nous met en relation, nous a mis en relation. Moi, j'étais déjà en relation avec l'association Transpacifique Solidarité, qui a succédé d'ailleurs à l'association Transpalestine, qui elle s'était constituée à la fin des années 70, dont j'avais d'ailleurs été le secrétaire national à la fin des années 70, début des années 80. Et il y a également lié à cette association. France-Palestine Solidarité, un conseil des villes et communes qui se sont engagées pour la libération de Marwan Barghouti. Et donc j'ai été sollicité à l'initiative, je pense que c'est Madame Violette Folgado, qui est la présidente du comité Dordogne-Palestine, qui est un comité très actif au sein de l'association France-Palestine Solidarité. J'ai été, puisqu'il y avait une délégation d'élus qui se rendait en Palestine, j'ai été sollicité par le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc, qui lui-même n'a pas pu, parce qu'il y a eu des incidents, des affrontements entre jeunes à Gennevilliers juste avant le départ, ce qui fait que c'est l'ancien maire de Gennevilliers, Jacques Bourgoin, qui conduisait la délégation. Une délégation dans laquelle il y avait une dizaine, 10 à 12 élus, essentiellement de la région parisienne, il y avait le maire de Vitry, il y avait le maire de Limay, il y avait des élus de La Courneuve, de Beson, de Bondy, le maire de... Non, il n'y avait pas d'élus de Stein. Il y avait un élu, le maire d'Avion dans le Pas-de-Calais et une élue de d'Allonne dans la région de la Sarthe. Je le dis parce que je veux dire une chose, hein, la plupart de ces élus étaient pratiquement tous des élus de municipalités communistes. Et je le dis, personnellement, je le dis sans... Je n'ai jamais eu... aucune réticence à travailler avec les élus communistes, parce que je suis le problème palestinien depuis plus de 50 ans, que j'ai été très tôt engagé dans l'association France-Palestine, mais qui a toujours eu ce fait, c'est qu'il y a toujours eu une volonté de pluralisme politique très forte depuis le début. D'ailleurs, les coprésidents de l'association France-Palestine, c'était beaucoup des gens d'ailleurs issus de la résistance, et même des gens qui étaient des anciens du Conseil national de la résistance, puisqu'il y avait notamment Claude Bourdet, qui a été un des cofondateurs, qu'il y avait Louis Ternoir, qui était le secrétaire du CNR, qu'il y avait des gens de très divers par leur engagement, Maurice Butin, qui était socialiste, Marcel Franciscan, qui était un professeur de médecine, comme le professeur Miliès d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins aussi engagés dans cette démarche.
Louis Audru, qui représentait le Parti communiste, hein, qui était lui aussi un ancien résistant, un ancien déporté. Donc je veux dire, au départ, si vous voulez, il y a eu vraiment, dans cette démarche, c'était les gens, beaucoup des gens qui étaient issus de la résistance et qui considéraient que c'était, qui soutenaient un mouvement de résistance dans un pays qui était dans un pays occupé. Voilà. Et c'est vrai que sur toute la durée, c'est vrai que les élus et les municipalités communistes ont été beaucoup plus impliqués et de, je dirais, de façon continue. Mais il y a toujours eu dans la démarche, je dirais, une volonté de pluralisme. Voilà. Je le dis parce que c'est important. Les deux sont mérite d'être soulignés. Donc, il y avait un double objectif à cette mission, à laquelle j'ai accepté de participer, et puis avec un grand intérêt. Premièrement, mettre l'accent sur la libération de Marouane Barghouti, et l'objectif numéro un, c'était d'essayer de rencontrer Marouane Barghouti, et donc les responsables de la délégation avaient écrit aux autorités israéliennes, aux responsables, parce qu'ils changent souvent de prison, aux responsables des prisons successives, mais aussi à l'administration centrale pénitentiaire israélienne, pour dire qu'ils voulaient demander à rencontrer Marouane Barghouti. Et le deuxième objectif, en liaison étroite d'ailleurs avec le consulat général de France à Jérusalem, c'était pour ces délégations d'avoir des contacts avec les collectivités locales palestiniennes avec lesquelles ils sont en relation au titre de la coopération décentralisée, soit des collectivités locales, soit des camps de réfugiés palestiniens. Puis il y en a un peu dans tous les pays de la région, mais il y en a aussi dans les territoires occupés qui sont là depuis 1948. Voilà, c'était le double objectif de cette mission. Donc, nous sommes partis le 13, on est parti un peu en ordre dispersé. En plus, il y a eu les grèves d'avions qui ont fait qu'une partie de la délégation, les grèves des pilotes d'Air France. Moi, j'étais passé par Kiev, donc je suis arrivé le premier en réalité. Et le reste de la délégation est arrivé dans la nuit du 13 au 14. Mais les premiers contacts, on les avait à partir du 14. Donc, nous avons eu de très nombreux contacts. À la fois avec les autorités, des contacts un peu en continu avec le consulat général de France à Jérusalem, en particulier une entrevue avec le consul général Hervé Magrou, qui va partir d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, prochainement. On a eu des contacts à la Knesset avec le groupe d'opposition qui réunit à la fois le Parti communiste israélien et les représentants des élus arabes israéliens. On a eu un contact également avec les autorités palestiniennes. On a rencontré le premier ministre palestinien, Rami Abdallah. C'est pas Abdallah, j'ai plus créé son prénom exact, mais enfin son nom c'est Monsieur Rami. On a rencontré le ministre des prisonniers, on a rencontré le ministre des collectivités locales, ça c'était au titre de la coopération décentralisée. On a rencontré les organisations humanitaires. Enfin, quand je dis organisations humanitaires, non, je commence par les Nations Unies, parce que les Nations Unies ont un office qui s'appelle l'OCHA. OCHA, qui est installé à Jérusalem et qui suit en permanence, qui est rattaché au secrétariat général des Nations Unies, et qui suit en permanence les problèmes humanitaires sur le terrain et les problèmes et les violations, il faut le dire, des résolutions des Nations Unies. Donc ils ont un suivi très permanent de tout ce qui se passe à la fois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et à Jérusalem aussi, Jérusalem-Est. Et puis nous avons vu aussi beaucoup d'organisations, le Comité international de la Croix-Rouge à Jérusalem. On a vu Médecins du Monde et Interventions d'urgence, deux associations, donc c'est Interventions d'urgence, qui sont sur le terrain dans les territoires occupés.
On a rencontré le parti du peuple palestinien, qui est l'ancien parti communiste palestinien, et on a rencontré des élus sur le terrain. Et je dirais, on a fait un certain nombre de déplacements. On a d'abord été à Jérusalem, pour les contacts qu'on avait à Jérusalem. On a été... on a essayé d'aller jusqu'à la prison de Marwan Barghouti, qui est en territoire israélien, où on est arrivé par surprise. J'expliquerai un peu comment les choses se sont passées tout à l'heure. Et on est allé également sur le terrain, dans les territoires occupés, dans des villages qui ont fait l'objet d'agressions de la part des colons israéliens. Et on est allé également à Ramallah, on a séjourné, où on a eu également un certain nombre de contacts que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez, on a eu quand même un éventail de contacts quand même assez, assez large et aussi complet que possible. Je reviens sur les deux questions essentielles. D'abord, la situation, la question de la libération de Marwan Barghouti. Et puis ensuite, je dirai un mot aussi sur le problème de la colonisation et les problèmes que ça pose, en conjoint l'initiative française, etc. Je dirai quelques mots là-dessus aussi, parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, avec nos interlocuteurs de l'initiative du gouvernement français. Bon, sur la situation de Marwan Barghouti, c'est vrai qu'il est très difficile d'arriver à le rencontrer. Parmi les gens qui nous accompagnaient, il y avait aussi son ancien avocat Daniel Roguet, qu'il avait défendu avec Gisèle Halimi lors de son procès initial. Mais Marwan Barghouti n'avait pas souhaité se défendre, puisqu'il considérait que ce procès était totalement illégal et irrégulier. Si vous voulez, on a vu quand même des gens qui le rencontrent. Mais bon, qui le rencontre, le consul général de France l'a rencontré, et d'ailleurs le consulat à la France est quand même très attentif à sa situation, il faut le savoir. Le responsable du CICR, de la Croix-Rouge, l'avait rencontré également, et c'est vrai que le CICR essaie de suivre le mieux possible la situation des prisonniers palestiniens. Mais nous, quand on est allé jusqu'à la prison, alors que la prison, ils avaient été alertés auparavant, on nous a répondu, on est arrivé, effet de surprise, hein, parce que c'est en pleine nature, cette prison. Je ne sais pas s'il y a une photo de la prison. Oui. Une photographie. Bon, ça, c'est pas ça. Voilà, ça, c'est la prison où est interné prisonné Marwan Barghouti. C'est une prison en pleine nature, hein. Et donc avec le car, on s'est avancé le long de la prison, effet de surprise total. Les gens, les gardiens de la prison sont finalement sortis. On a essayé, on produit les lettres, les délibérations des conseils municipaux, mais ils nous ont dit on n'a aucune instruction, on n'est pas au courant et on ne peut pas prendre ce genre de décision, etc. Donc on n'a pas pu le rencontrer, mais ça a permis quand même... Il a su, Marwan Barghouti, par d'autres différents canaux, qu'on était venu, ce qui était quand même important. La question de la libération de Marwan Barghouti, je dirais, c'est un enjeu très fort. D'abord parce que c'est un symbole de l'ensemble des prisonniers palestiniens. Il faut quand même savoir qu'il y a des milliers et des milliers de personnes, je n'ai pas le nombre exact, de gens qui sont emprisonnés pour des raisons essentiellement liées à des actes de résistance ou à des manifestations politiques. Il y a notamment 400 mineurs parmi, ça c'est le chiffre que nous a donné la Croix-Rouge, il y a 400 mineurs qui sont emprisonnés dans ces prisons israéliennes. Bon, Marwan Barghouti est peut-être lui il circule, etc. Mais je veux dire, et le comité qui s'est mis en place, parce qu'il y a un comité qui s'est mis en place pour la libération de Marwan Barghouti, qui est lié en lien avec des actions internationales du type de celles que mène le comité et l'association France-Palestine Solidarité, c'est un peu l'idée de susciter un mouvement un peu comparable à celui qui s'est créé autour de Nelson Mandela,
parce qu'il y a quand même des similitudes très grandes, parce que c'est un dirigeant politique qui a un charisme très fort auprès de tout le monde. Et puis c'est quelqu'un qui plaide pour la paix et pour le dialogue, la reprise du dialogue israélo-palestinien et la constitution de deux États, ce qui est d'ailleurs prévu par les résolutions internationales. Hein, et par depuis la résolution 242, le retrait des territoires occupés et puis les accords d'Oslo qui devaient quand même à terme permettre l'apparition de deux États sur ces territoires. Donc, si vous voulez, il y a toute cette action. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Marwan Barghouti lui-même a demandé à ce que son sort, aux gens qui le soutiennent, à ce que son sort ne soit pas séparé de celui des autres prisonniers palestiniens. C'est une différence avec Nelson Mandela. Ce n'est pas pour retirer mais Nelson Mandela, l'action ne concernait que Nelson Mandela, tandis que Marwan Barghouti lui-même a demandé que son sort, que le sort des autres prisonniers soit étroitement lié au sien. Alors certains ont dit évidemment, mais parmi les prisonniers, il y a des gens qui sont des auteurs d'attentats, qui ont tué, etc. Et il a dit, ce sont des actes de résistance, et donc ça doit être apprécié de façon globale, comme c'est le cas pour tout mouvement de résistance. Il y a une forte implication. Alors son épouse est très impliquée hein, dans ce... On a rencontré d'ailleurs aussi le comité de soutien palestinien Marwan Barghouti, et son épouse est extrêmement impliquée dans toutes ces actions, et elle est en particulier je crois elle est présidente de l'Union des femmes palestiniennes, mais je crois qu'elle a aussi des responsabilités importantes dans les associations des familles des prisonniers palestiniens. Vous l'avez rencontré ? Fadwa Barghouti, oui, on l'a rencontré. On l'a rencontré d'abord quand on a rencontré l'association, et on l'a rencontré elle-même ensuite à nouveau. C'est une femme qui est très très active, qui va fréquemment à l'étranger. D'ailleurs, elle est venue plusieurs fois en France. Voilà, elle est très très engagée elle-même. Mais au-delà, si vous voulez, il y a aussi, et c'est évident, il y a un enjeu politique dans cette affaire. C'est que Marwan Barghouti, je dirais, il faut dire les choses comme elles sont. On a des dirigeants palestiniens aujourd'hui. Je dirais une structure qui a un petit peu pris de l'âge. Hein. Mahmoud Abbas a lui-même plus de 80 ans. Vous avez sur la bande de Gaza, bon, vous avez les gens de Hamas qui sont au pouvoir, mais qui sont parfois contestés par une partie de la population. Et vous avez le problème aussi du manque d'accord entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et vous êtes dans un pays, ça, c'est très frappant, où la population, 54% de la population, ce sont des moins de 25 ans. Donc je veux dire, à un moment, il va bien falloir qu'il y ait, je dirais, quelque chose qui se fasse pour rétablir les liens entre tout le monde. Et je dirais, celui qui apparaît quand même comme ayant la personnalité, le charisme nécessaire, et qui d'ailleurs lui-même essaie à le dialogue un peu, le contact avec tout le monde, il faut bien le dire, c'est Barghouti, hein, c'est Marwan Barghouti. Donc je veux dire, il y a aussi cette dimension, qui est quand même très, très importante aussi. Et qu'il faut bien mesurer. Alors il n'est pas le seul, peut-être, il y a d'autres dirigeants palestiniens qui postulent certainement à prendre la succession de Mahmoud Abbas. Normalement, il devrait y avoir une élection présidentielle, elle aura lieu. Voilà, une des questions d'ailleurs qui est souvent posée, c'est de savoir est-ce que Marwan Barghouti sera candidat tout en étant en prison. Voilà, c'est des questions tout ça qui sont sous-jacentes de façon, mais qui sont évoquées quand même de façon un peu permanente. Deuxième aspect, c'est la situation dans les territoires occupés et la manière dont les choses évoluent. Alors on n'est pas allé à Gaza,
D'abord, il est pratiquement impossible aujourd'hui d'aller à Gaza, mais on a vu les gens des Nations Unies et les gens du CICR et les gens des organismes, parce que les organisations humanitaires ont la possibilité d'y aller. La situation à Gaza se dégrade à une vitesse très inquiétante, parce que il y avait une ouverture côté égyptien qui permettait à Rafah, vers le Sinaï, qui permettait de, et puis des fameux tunnels dont on parlait, qui permettaient quand même de faire passer un minimum de choses, d'échanges, etc. Or, depuis l'arrivée au pouvoir du général Al-Sisi, ça a été fermé, hein, parce qu'ils sont très, les Égyptiens ont très peur de ce qui se passe sur le Sinaï. La situation de ce côté-là est bloquée aussi. Et la grande dégradation. Et on a, pour vous de situer un peu ce que c'est la bande de Gaza, parce que imaginez, ça fait moins de 50 km, je crois, de long. Ça tient entre Bergerac et Périgueux. C'est comme vous auriez une bande de terrain entre Bergerac et Périgueux, entre la Nationale 21 et la route de Vert, hein, dans cet espace-là, avec 2 millions de personnes. Hein, et des problèmes. Sanitaires, des problèmes alimentaires, d'énergie et des problèmes d'alimentation en eau. Les gens des Nations Unies nous ont dit 2020, on sera sur la rupture sur l'alimentation en eau. Donc c'est une situation impossible. Voilà. Et alors ça c'est la partie Gaza. Bon, ça malheureusement on n'a pas pu aller dans la bande de Gaza. Mais alors sur la partie Cisjordanie, si vous vous souvenez les accords d'Oslo. Il était prévu trois zones A, essentiellement, et là c'est plutôt l'autorité palestinienne qui a la compétence, essentielle de la compétence. Ça correspond essentiellement aux villes principales. Et puis la zone B qui est une zone intermédiaire, et la zone C qui est sont les zones rurales qui sont, elles, complètement, c'est l'occupation pure et simple, et c'est l'armée, c'est Israël qui a l'autorité. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, et qui est extrêmement inquiétant pour l'avenir, c'est la poursuite du mouvement des colonisations. Je dirais le problème numéro un dans la relation Israël-Palestine, ce qui empoisonne complètement toute perspective de solution, c'est cette question de la colonisation, qui marque la volonté d'expansion, il faut le dire clairement. Le général de Gaulle l'avait dit en 1967, il avait très bien perçu la chose. La volonté d'expansion d'Israël. Et si vous voulez, la situation aujourd'hui... alors, je ne sais pas, ça serait bien que vous montriez un peu les photos, là. La photo de la carte de la Cisjordanie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la carte faite par les Nations Unies. Donc, si vous voulez, il y a une double... D'abord... je dirais, au-delà même des colonies proprement dites, il y a la volonté de contrôler des terrains pour des raisons militaires. C'est le cas, par exemple, toute la vallée du Jourdain, là, qui est le long de la frontière jordanienne. Mais ils inventent aussi d'autres motifs, la création de parcs naturels, la création de zones archéologiques. Hein, et donc, à partir du moment où sont créées ces zones, ça veut dire que c'est fermé aux habitants, fermé aux Palestiniens. Plus le périmètre de ce qui entoure les colonies. Je vais revenir un peu sur la manière dont se développent les colonies. Mais la grande crainte alors ça finit par représenter, si vous voulez, il n'y a plus en jaune sur cette carte, hein, faite par les Nations Unies, je le répète, par l'OCHA, que les zones vraiment tenues par les Palestiniens. Actuellement, sur la Cisjordanie, Israël contrôle 62% du territoire directement, qui est fermé aux Palestiniens. Et les Palestiniens, il leur reste les 38% du restant du territoire de Cisjordanie. Et vous avez une extension continue des colonies, et la grande crainte des Palestiniens, parce qu'on voit très bien l'idée, c'est que ces colonies, ils essaient de les étendre d'ouest en est, et d'aller jusqu'à diviser, casser complètement le territoire de Cisjordanie avec des bandes de colonies qui continuent jusqu'à la vallée du Jourdain ou jusqu'à la mer Morte. Hein. Et donc, à ce moment-là,
je dirais, il y aurait cassure pure et simple, et la possibilité de créer un État palestinien devient de plus en plus impossible. Donc il y a vraiment, on est aujourd'hui dans l'urgence de trouver une solution, parce que d'ici quelques années, au rythme où on va, d'ici 3, 4, 5 ans, il sera même plus possible sans doute de créer un État palestinien, compte tenu des ruptures qu'on aura partout, des discontinuités. Et donc, si vous voulez, c'est là aussi, alors c'est là que se passent des choses assez terribles, c'est la pression qui est mise sur les habitants de cette zone C, de cette zone d'occupation, où les gens des colonies, si vous voulez, d'abord, il y a des colonies, alors elles sont condamnées par le droit international, puisqu'elles sont condamnées par la résolution des Nations Unies, elles sont reconnues par le droit israélien, mais au-delà des colonies elles-mêmes, vous avez maintenant l'implantation, alors il faudrait que vous montriez les photos là, parce qu'il y en a où on voit ça, vous avez des implantations qui se font, non, c'est plus en avant, il faut revenir en arrière plutôt. Vous avez les implantations, retournez en arrière encore, voilà, arrêtez-vous là, merci. Voilà, vous avez ce qu'on appelle des outposts, ils appellent settlement les colonies, des outposts qui sont des sortes de postes avancés de la colonisation, où vous avez en pleine campagne des petits groupes qui vont s'installer, qui créent des bâtiments. Là, on les voit pas très bien, mais il y en a un en haut de la route blanche, là. Et il y en a un autre de l'autre côté. Ça, c'est à Kousra, qui est un village où on est allé sur place. Non vous avez des gens qui s'installent, en dehors même des colonies, mettent un premier petit bâtiment, ils ont tout de suite, on leur fournit tout de suite les voies d'accès, l'eau, l'électricité, donc je veux dire, en fait, ils sont complètement soutenus. Et l'objectif à terme, c'est de constituer une nouvelle colonie. Et pendant qu'on y était, d'ailleurs, il y avait des brûlis qui avaient commencé sur certaines terres, avec l'idée de les mettre en exploitation ultérieurement. Et donc, avec des pressions énormes sur les villageois qui sont dans ces secteurs, on a vu, alors, si vous pouvez passer la photo avant, voilà, vous voyez à gauche, là, le maire de Kousra, vous avez donc eu, on a rencontré des habitants du village qui ont été menacés, dont les maisons ont été cassées, des gens qui ont débarqué chez eux pour leur faire peur, les inciter à partir, etc. Voilà, c'est si vous voulez, essayer de les obliger à se retirer. Donc ça se fait, ça, dans l'illégalité la plus totale. Et on est allé dans un autre village, si vous pouvez avancer de l'autre côté. Non, ah, ça c'est la Knesset. Voilà, on est allé dans un autre village à Douma, où là, carrément, il y a une famille palestinienne qui a été attaquée. À l'époque, on en a beaucoup parlé, mais le jeune enfant, un bébé et ses deux parents ont été brûlés vifs. Hein, voilà, passez encore la photo suivante. Voilà, c'est cette maison. Et là, c'est vraiment la politique de la peur. Hein. Alors, c'est des groupes vraiment extrémistes, hein, qui font ça. Mais je veux dire, on retrouve des choses qui... C'est vraiment inciter les gens absolument à partir. D'ailleurs, on a rencontré la famille. Le frère veut rester sur place, par exemple, et la sœur, la belle-sœur, elle, lui dit « Ben non, on ne peut pas rester ici, il faut s'en aller. » Voilà. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une action sur le terrain, je dirais, qui est de la terreur sur le terrain pour inciter les gens à partir. Donc voilà quelle est, si vous voulez, la situation aujourd'hui, qui est quand même, qui est vraiment, d'où l'idée qu'il y a urgence, si vous voulez, d'agir. Or, c'est vrai que la communauté internationale réagit relativement peu à ces violations répétées des droits, violations des résolutions des Nations Unies, et violations, je dirais, de tous les éléments du droit quand on en arrive là. Donc l'initiative française, si vous voulez, a eu un écho fort. Hein, et d'ailleurs, nous avons dit pendant tous nos interlocuteurs que nous soutenions bien sûr totalement l'initiative française du gouvernement français, qui a quand même
Premier enjeu, c'est de remettre, si vous voulez, le projecteur sur la Palestine, parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc., c'est passé complètement au second plan des préoccupations. Et deuxièmement, l'idée de rassembler le maximum de pays dans cette démarche. Bon, alors en même temps, c'est vrai, nous on a dit qu'on serait palestiniens, qu'on serait très vigilants là-dessus, c'est qu'eux demandent que le processus soit vraiment suivi de manière très rigoureuse et précise, et qu'en particulier, parce qu'il y a des tas de groupes de travail là, qui se mettent en place à la suite de la première réunion qui s'est tenue à Paris, mais que les choses soient vraiment centrées sur les questions essentielles, la situation à Gaza, le problème de la colonisation, le respect des droits de l'homme, etc. Et puis que si le processus, si ça réussit à relancer quelque chose, bon, je crois que tout le monde s'en félicitera, mais que si jamais ça n'aboutit pas, puisqu'aujourd'hui les Israéliens sont fermés à l'idée d'entrer dans ce processus, il y ait des conséquences. Et que les conséquences, nous, à notre sens, hein, ça doit être soit... ça a été évoqué d'ailleurs, que la France reconnaisse officiellement l'État palestinien, ce qui n'a toujours pas été fait officiellement à ce jour, et qui est un élément, bien sûr, du processus qui permettrait à la Palestine d'entrer à l'Assemblée générale des Nations unies, avec tous les droits qui sont attachés à la présence à cette Assemblée générale, à l'appartenance à cette Assemblée générale, puis ils sont entrés à l'UNESCO, mais pas à l'Assemblée générale. Hein. Et deuxièmement, il y a une autre possibilité, moi qui ont évoqué, j'en ai discuté avec des diplomates palestiniens, une autre possibilité, ça serait de soulever le problème que la France porte le problème de la colonisation dans les instances où c'est, et notamment au Conseil de sécurité, parce qu'on peut très bien poser ce problème au Conseil de sécurité. Voilà. Alors voilà, après, que vont faire les autres États de la région? Certains pensent que l'Égypte peut jouer quand même aussi un rôle important parce qu'elle a du poids dans la région. Mais il faut bien dire que les dirigeants égyptiens aujourd'hui, le général Al-Sissi, il est arrivé par un coup de force, hein, et que leur souci, c'est quand même plus la situation intérieure de l'Égypte, qu'on n'a pas le sentiment qu'ils aient une vision géopolitique, une vision de politique extérieure très affirmée. Voilà. Il y a un accord entre Israël et l'Égypte, de toute façon. Oui, il y a des accords. Mais je veux dire, bon, mais ça n'empêche pas les dirigeants égyptiens, éventuellement, s'ils en avaient la volonté. Mais aujourd'hui, bon, on va pas... Voilà. Donc le sentiment quand même général, c'est quand même une situation... je dirais, à part l'initiative française, on a guère de lueur d'espoir que les choses évoluent aujourd'hui. Voilà. Et des fortes inquiétudes, parce que si on laisse les choses se faire, on risque d'avoir une situation encore plus dégradée dans les années qui viennent. Si vous me permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je crois que, pour revenir à ce qu'a dit M. le maire en début, sur un peu l'origine et de son engagement, je crois, également en partant du Conseil national de la résistance, etc., je crois que ça part d'une... C'est bien pour la Palestine, mais sur l'autodétermination des peuples. Permettre aux peuples de définir, et donc pour ça, il faut qu'ils aient un État, de définir là où ils veulent aller, comment ils veulent le faire. Donc là, ça, c'est interdit pour la Palestine. Si bien qu'effectivement, vous avez évoqué, monsieur le maire, la situation de Mahmoud Abbas, mais qui aujourd'hui, il devient illégitime, puisque l'autorité... Non, quand je dis ça, l'autorité palestinienne a été créée avec les accords d'Oslo. Donc, il y a eu des élections. Il y a eu des élections en 2006. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'élections depuis 2006, pas eu des élections. Donc c'est de permettre, nos initiatives aussi, c'est de permettre au peuple palestinien de pouvoir également désigner les représentants qu'ils veulent. Et effectivement, depuis, Marwan Barghouti a été élu en 96 et réélu. Et réélu depuis. Voilà. Et en prison. Voilà. Donc je pense que c'est important de renouveler cela. Quand on dit, mais vous êtes, parce que c'est ce qu'on nous dit quelquefois, vous êtes pour les terroristes, non? Non, on est pour le droit et le droit international et la justice.
C'est ce qui nous rassemble, quelles que soient nos divergences par ailleurs. Je veux dire, c'est le droit international et également la justice. Et la justice et l'autodétermination des peuples. Et effectivement, ce réseau national, des villes qui font de Marwan Barghouti soit un citoyen d'honneur ou qui demande la libération de Marwan Barghouti, également a été propulsé devant les médias quand il s'est agi. Ce réseau est également international, puisqu'il y a 3 prix Nobel de la paix. Qui depuis l'ancienne prison, Monseigneur Toutou. Voilà, Monseigneur Toutou, et qui également de la prison où était Nelson Mandela, avec son co-détenu, ont créé ce réseau international pour la libération, pour demander la libération de Marwan Barghouti. Je crois qu'il y a des choses qui se font, dont on n'entend pas parler, bien entendu, mais je crois que ça multipliant ses forces, localement, nationalement, internationalement, que l'on pourra faire avancer sur la voie de la paix, parce que l'objectif c'est quand même la paix, la paix dans ce secteur, et on voit bien aujourd'hui que c'est important dans un moment où il y a autant de violence partout, et si on ne crée pas ces zones de paix, on peut toujours vouloir la paix ailleurs, mais je crois qu'elle commence aussi par là. Voilà, moi je pense que, et j'en remercie Monsieur le maire d'avoir accepté. Nous avions, lors de la venue du premier conseiller de l'ambassade, évoqué à 4 villes de Dordogne un jumelage. Les choses vont, me semble-t-il, je vais dire un mot là-dessus. Voilà, vont, nous espérons, avancer. Suite à la venue donc du premier conseiller, moi j'ai rencontré l'ambassadeur qui n'avait pas pu venir pour des raisons de santé, mais effectivement il ne se déplace pas à l'extérieur parce qu'il faut qu'il y ait un suivi médical très quotidien. Mais nous sommes allés le rencontrer et il nous a proposé de travailler sur une zone dont vous avez, monsieur le maire, là, voilà. Et c'est donc au sud de la Cisjordanie, c'est au sud-ouest d'Hébron. Voilà, une situation qui est très... Justement, on nous a beaucoup incité, je le dis, on n'a pas pu y aller parce que certains entretiens ont été beaucoup plus longs que prévu, mais on devait avoir un premier contact, je devais avoir personnellement un premier contact pendant que les autres maires allaient dans les zones où ils avaient déjà des contacts. Je vais avoir un premier contact avec, dans une perspective de coopération décentralisée, hein, avec la municipalité d'une ville qui s'appelle Khalroul, H-A-L-H-U-L, voilà, c'est ça. Qui est à côté d'Hébron, et qui est une ville de 23 000 habitants, et qui une ville où il y a, c'est pour ça, d'ailleurs c'est toujours les vignobles, hein, mais qui est une ville où il y a des productions, il y a des vignes importantes, et qui était situé à peu près à 1000 mètres d'altitude, hein, mais qui était dans un secteur, effectivement, où la pression exercée par la colonisation est extrêmement forte. Voilà. Donc, mais je n'exclus pas d'y retourner là, dans les mois qui viendront. Alors, voilà, on était à la fois encouragé à ça par l'association, mais je dois le dire aussi, par le Consulat Général de France. Tout à fait. Donc ce sont des coopérations... Qui vraiment soutient très très fortement. Il y a une chargée de mission au Consulat Général qui est spécialement chargée en permanence. Il y a une qui suit les questions humanitaires et une autre qui suit en permanence les problèmes de coopération des entreprises. Donc je veux dire, la France est vraiment impliquée très directement dans cette démarche. Que vous nous dites, bah, une situation qui est connue, je vais poser la question un peu abruptement, mais en quoi ça fait avancer les choses que des élus français, que le maire de Bergerac visite Je pense que ce qui fait avancer les choses, c'est comme toujours sur ce genre de situation, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation. Moi je suis convaincu, si vous voulez, que si on veut faire avancer les choses, c'est la pression internationale qui sera déterminante. Alors, la pression internationale, je dirais, c'est que s'il y a des gens qui vont sur place, qui en parlent, qui dans leur pays en fassent quand même un enjeu politique aussi, il n'y a que de cette façon-là qu'on arrivera à obtenir qu'il y ait une pression internationale suffisante
pour peser sur cette situation. Et je pense que ce qu'on peut faire, nous, bon, il y a l'initiative française qui, est, je répète, est une excellente initiative. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer si malheureusement... bon, si cette initiative va jusqu'au bout, tant mieux, on s'en félicitera tous. Mais si elle n'aboutit pas, il faudra qu'il y ait des gens qui disent aux responsables français, maintenant, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et donc, c'est un combat, on est sur un combat politique. Tous ces combats politiques, sont menés par rapport à la pression d'intention. De Klerk, quand il a libéré Mandela, il n'a pas fait comme ça du jour au lendemain, en se disant, allez, je suis pour la réconciliation des peuples en Afrique du Sud. C'est, je pense que c'est le boulot à Bergerac, mais c'est le boulot dans toutes les villes. On peut le faire, de mener cette campagne d'information, parce que beaucoup de personnes ne savent pas qui est Marwan Barghouti. Même quand nous, on a décidé de mettre en place cette motion de soutien au sein du Conseil municipal, tout le monde ne savait pas. Tout le monde ne savait pas qui était Marwan Barghouti. C'est, concrètement, c'est le Mandela palestinien. Si vous voulez, la pression qui est exercée, elle est très importante. Moi, j'ai vécu personnellement un événement... J'ai été un peu associé à un événement important en 82, quand Yasser Arafat était encerclé dans Beyrouth. On y est allé avec une délégation de l'association France-Palestine. On a demandé à être reçu à l'Élysée. J'y suis allé avec... j'étais avec Claude Bourdet et avec Louis Audrou. Et bon, on a rencontré Hubert Védrine. Bon. Qui était le conseiller diplomatique de Mitterrand, qui était quand même déjà quelqu'un qui avait quand même une certaine connaissance et qui était assez sensibilisé. Mais je pense, je ne dis pas que c'est ça qui a été déterminant dans le fait que Mitterrand ait décidé d'intervenir et de transporter, d'évacuer Yasser Arafat, qui allait tomber dans les mains des Israéliens jusqu'à Tunis avec toutes ses troupes. Mais je veux dire... La pression, certainement, qui a été exercée à cette époque-là, et en plus, je pense qu'il y a un facteur qui a joué, parce que c'était des anciens de la résistance, que Mitterrand lui-même était issu de la résistance, et je dirais, ça a eu, je pense, une importance forte, parce que... Voilà, alors peut-être qu'aujourd'hui, ça c'est plus difficile parce qu'il n'y a plus les gens de la résistance, ils ne sont plus là. Mais je veux dire, ça, à l'époque, ça avait certainement pesé dans la décision qui avait été prise par la France. Et je veux dire, c'est ce type de décision, et c'est, je dirais, c'est l'action de tous les gens. C'est l'addition de toutes les actions qui sont menées. Si vous avez beaucoup d'élus français qui vont sur place, qui nouent des relations... qui entretient des relations avec des villages, ça finira par créer. Ce qui serait souhaitable, c'est que les autres pays européens, et il faut essayer de convaincre les autres pays européens, si demain il y avait des Américains aussi qui s'impliquaient davantage, voilà, je veux dire, c'est vraiment un problème de combat, de force et de modification d'équilibre des forces à l'échelle internationale. Sauf que je comprends le parallèle que vous menez avec Mandela peut être intéressant, mais il est un peu décontextualisé, comme pour prendre un peu la question, pour aller plus loin que la question de mon collègue du Sud-Ouest. À l'époque, la plupart des pays internationaux affirmaient clairement que c'était un régime d'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup de pays et de gouvernements qui seraient prêts à dire que c'est un système d'apartheid en Israël. Première chose. Mais on a eu des gouvernements... Je termine deuxième chose. La campagne de boycott qui a été menée, le gouvernement français a un jugement contre cette campagne de boycott. Troisième chose, je crois que c'était il y a trois jours, vous en parliez, le maire de Stein passe au tribunal administratif pour avoir mis une banderole devant sa mairie avec le portrait de Marwan Barghouti et une association proche d'Israël qui l'a... Il est accusé d'apologie du terrorisme. Donc il y a quand même un contexte géopolitique qui est très difficile. Tout à fait, qui est difficile. Mais ce n'est pas parce que le contexte est difficile qu'il ne faut pas se battre. Et je voudrais quand même dire plusieurs choses. D'abord, il y a des époques où la France s'est faite entendre de manière forte. En 67, le général de Gaulle a clairement condamné l'occupation des territoires occupés par Israël. Il en a tiré des conséquences même, puisqu'il y a eu l'embargo à une époque sur les ventes d'armes en direction d'Israël. Deuxièmement, il y a eu l'initiative de Mitterrand en 82, qui a été une initiative extrêmement importante. Il y a eu le voyage de Jacques Chirac en 97 aussi, qui avait quand même fait un certain bruit. Non, mais enfin, à Jérusalem, hein, dans les...
Donc je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas... Bon, alors c'est vrai qu'on est dans une période qui n'est pas simple aujourd'hui, parce qu'en plus on est en période de campagne présidentielle, donc c'est pas la période la meilleure pour avancer sur ce genre de dossier. Mais je veux dire, ça veut dire qu'on peut, on peut peser. Il y a eu un moment quand même où toute l'action internationale qui a été menée a abouti aux accords d'Oslo. Je veux dire, il y a eu quand même des choses qui ont bougé. C'est vrai que les accords d'Oslo, il y a beaucoup de déceptions. Mais c'est vrai que jusqu'aux accords d'Oslo, excusez-moi, les Palestiniens, ils n'avaient même pas un endroit où se poser sur leur territoire. Ils étaient ballottés entre le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie. Donc je veux dire, les choses ont quand même, et à un moment, la pression internationale, elle a quand même pesé. Donc voilà, c'est... Et lorsque vous dites sur l'affaire du boycott, bon, ça c'est vrai que là-dessus, moi je sais que personnellement, moi j'ai réussi à faire bloquer à la Commission des affaires européennes pendant une semaine l'accord Union européenne-Israël, l'accord commercial, parce que justement il y avait cette question. Bon, après la Commission, elle a été réunie, ils ont fait en sorte, les différents groupes, d'amener suffisamment de monde pour que ça passe. Mais bon, c'est comme ça. Mais je veux dire, quand même, pendant une semaine, c'est resté bloqué. Et c'est vrai qu'il y a eu la campagne quand même qui avait été menée en particulier par Stéphane Hessel. C'est vrai que le fait que Stéphane Hessel à l'époque ait été poursuivi, ça avait quand même été perçu comme quelque chose d'assez scandaleux. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement aussi, si on trouve un certain nombre de personnalités, c'est pour ça qu'actuellement ils font un gros effort pour essayer de trouver des prix Nobel, des gens bon, qui ont une reconnaissance internationale. C'est vrai que s'il y avait un certain nombre de personnalités à l'échelle internationale aussi qui s'engageaient, ça peut avoir un impact très fort. L'histoire de Stein. Bon, alors je sais pas, le problème avec les magistrats, c'est que vous avez des magistrats. Les magistrats, ils ont quand même une assez grande autonomie d'ailleurs, tant mieux, sinon l'indépendance de la justice serait fortement en question. Mais je veux dire, ça veut pas, chaque fois que des gens ont pris parti en faveur de Marwan Barghouti, heureusement, ils n'ont pas été traduits devant les tribunaux. Non, et puis je veux dire, et ça c'est le parquet. Non, mais c'est le parquet qui a pris cette initiative. Bon, on verra ce qui se passera au tribunal. Est-ce que le ministre de la Justice est derrière? J'en sais rien. C'est toujours très difficile quand le parquet prend une initiative. Est-ce qu'il la prend de son propre mouvement ou sur instruction? Oui, il y a eu Chamier. Mais le tribunal a rejeté. Il a rejeté, il a dégoûté la LICRA. Donc il y a des choses. Et c'est vrai, comme dit monsieur, c'est une affaire politique. Affaire politique. Est-ce que le droit s'applique à tout le monde? Donc à partir de là, il y a des décisions politiques à avoir pour que le droit s'applique. Beaucoup d'élus ne franchissent pas le fossé en disant que c'est un régime d'apartheid. On est déjà dans l'apartheid. De toute façon. Il y a très peu d'élus ou de ministres ou de représentants du gouvernement. Bien sûr. Mais l'apartheid, quand par exemple un tramway construit par des entreprises françaises va des colonies à Jérusalem Ouest, c'est-à-dire la Jérusalem qui appartient aux Israéliens, et qui traverse les territoires palestiniens, ne s'y arrête pas, c'est de l'apartheid. Quand les bus, il y avait les bus pour les noirs, les blancs, etc. Non, mais les Palestiniens n'ont pas accès au territoire normalement. C'est pas les mêmes colonies, les mêmes voies, les voies routières. Et quand je parlais de ces hommes archéologiques qui sont dessinés, etc. C'est pareil, ils n'ont pas accès. C'est une manière, au contraire, de les évincer. Ça va plus loin que de l'apartheid. C'est de l'annexion. C'est de l'annexion. C'est enlever tout ce qui peut ressembler à une histoire palestinienne. Tout cela est... Moi, si je peux me permettre, au-delà de la pression politique dont vous parlez, monsieur le maire, que ce genre d'initiative peut amener pour faire bouger les choses, il y a aussi l'opinion publique. Et moi, je pense que ce genre d'initiative a un impact extraordinaire sur l'opinion publique, qui fait que bon, c'est un conflit qui dure, qui perdure, et qui fait qu'au bout d'un moment, une actualité en chasse une autre. Et on peut des fois en arriver un petit peu à se lasser de ce sujet. On voit pas mal de gens qui s'essoufflent. Et c'est vrai que ce genre d'initiative ramène l'actualité de la Palestine sur le terrain. Et surtout ramène des vérités qui sont très souvent occultées par la presse
et qui font que les gens ne connaissent pas réellement la réalité des choses sur le terrain. Et quand vous disiez pourquoi on y va, je crois ne serait-ce que pour que vous puissiez en relater. Oui, oui, non, ben, évidemment. Quand on n'en parle plus, quand on parle plus. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est important. C'est important qu'il y ait régulièrement des gens qui y aillent et qui en parlent. Je dirais, la pression internationale, elle, je répète, c'est une pression, effectivement, c'est une pression politique, mais elle est beaucoup liée à ce qui se passe dans les opinions publiques. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup suivi dans les années 80, il y avait eu une montée très forte dans les opinions publiques à l'échelle internationale, mais parce qu'il y avait à la tête du mouvement palestinien aussi, il faut dire, Yasser Arafat, qui était une personnalité qui avait un très très grand charisme, et que ça avait, et qui avait l'idée de la paix aussi, d'un accord, d'une négociation sur deux États, etc. Et tout le monde a cru au moment des accords d'Oslo qu'on allait dans cette direction. Et l'assassinat d'Yitzhak Rabin, malheureusement, ça a eu pour effet qu'on a fait très vite une grande partie du chemin en arrière. Enfin, c'est sûr que l'assassinat de Rabin, ça a pesé d'un poids très lourd sur le déroulement des événements. Juste une question pratique, est-ce que donc Bergerac fait partie du réseau Marcouti maintenant? Oui, de fait, on en fait partie. Oui. D'accord. Voilà. Et est-ce que, je ne sais pas si c'était déjà le cas, vous envisagez de le faire citoyen d'honneur de la ville Oui, moi je pense qu'on proposera qu'il soit fait citoyen d'honneur. Peut-être qu'on proposera aussi d'ailleurs de faire citoyen d'honneur, comme l'a fait, il me semble, c'est Gene Villiers, de faire également citoyen d'honneur Michel Warshawski, qui est un Israélien. Citoyen israélien qui a toujours lutté pour la reconnaissance des droits et la paix entre les deux peuples. Et je pense que ça serait bien, symboliquement, de faire les deux. D'autant qu'il est un peu périgourdin. Oui, on peut faire aussi. Comment? D'autant qu'il est un peu périgourdin par sa famille. Qui ça, Michel Warshawski? Oui, ah bon, c'est son père. Mais quand il y a eu tous les Alsaciens qui sont venus en France. Oui. Et lui, il avait... Non, moi, je l'ai eu l'occasion de le rencontrer à Jérusalem, mais je sais qu'il est venu à Bergerac. Il est venu à Tapage. Voilà. Ben oui, mais parce qu'il habite en Israël. Et il a quand même subi des pressions souvent très fortes aussi. Oh, il a fait de la prison. Oui. Aussi. Combien de villes qui font partie de ce réseau de Dordogne? Non, nationaux. Oui, en Dordogne. En Dordogne, ben, maintenant 4. Lesquelles? Il y a Coulounier-Chamiers, Boulazac, Trélissac et Bergerac. Voilà, et au niveau national, ça doit être une quinzaine ou trentaine peut-être, quelque chose comme ça, une trentaine. Voilà. Vous avez fait un exposé. Ah si, les politiciens israéliens vous ont pas reçu. Enfin, les élus, non. Vous n'avez pas été reçu quand vous avez été à la Knesset. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une demande de rencontrer des élus israéliens, mais moi, je ne suis pas du tout fermé à l'idée de demander à rencontrer des élus israéliens. Au contraire, je pense que ça serait bien d'avoir une discussion avec eux. Vous êtes allé à la Knesset ou pas? On est allé à la Knesset, mais on a vu le groupe d'opposition. Qui regroupe à la fois les Arabes, parce qu'il y a trois partis arabes israéliens, mais ils se sont regroupés avec le parti communiste israélien, et le leader de l'ensemble, c'est Ayman Odeh, qui est quelqu'un qui a vraiment une forte personnalité. Hein, Et ils réagissent comment, votre initiative d'abord? Ah ben lui, il est tout à fait... De toute façon, ils sont dans cette vue. Et puis ils ont les problèmes aussi particuliers des Arabes israéliens en Israël, qui sont quand même soumis à beaucoup de... Qui sont discriminés aussi. Qui sont à beaucoup d'éléments de discrimination, et dont certains des députés de ce groupe ont été suspendus à plusieurs reprises ces dernières années. Oui, Amine Combien de temps vous avez passé là-bas, au final? Bon, pas énormément de temps, mais moi je suis arrivé le 13 et je suis reparti le 17. Bon, ceci dit, le programme était quand même très très bien bâti, ce qui fait qu'on a eu beaucoup beaucoup de contacts, on est allé sur le terrain, voilà. Mais bon, moi j'envisage d'y retourner pour rencontrer les gens de Al-Houl. Ouais.
concernant ça, il y a une délégation qui est prévue du 13 au 17 justement novembre. Oui. Et dans cette délégation, j'ai fait retenir un certain nombre de places pour savoir si on ne pouvait pas avoir les représentants des quatre mairies de Dordogne-Palestine pour aller sur place déjà, parce que la coopération se fait à deux. Oui, la coopération, c'est se fait à deux, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin et ce que nous pouvons apporter et ce qu'ils peuvent également. Et puis avoir des échanges de jeunes, parce que souvent ces coopérations, ça se traduit par des échanges de jeunes. Ouais. Il y a des municipalités qui ont accueilli notamment des enfants, ou des camps de réfugiés. Ou des prisonniers, là, il y a une initiative Oui. En dehors du fait que c'est très important qu'on fasse ces interventions médiatiques pour que les gens soient au courant et que ça reste toujours en haut de l'échelle, est-ce que c'est pas malgré tout les États-Unis qui ont la possibilité? Les États-Unis, mais c'est évident que depuis toujours, tout le monde pense que les États-Unis tiennent une des grandes clés, peut-être même. Et c'est vrai qu'Obama, Obama a été un peu décevant sur ce terrain-là, parce que Obama avait pris des positions à plusieurs reprises avant d'être président, et que en tant que président, on peut pas dire qu'il ait fait beaucoup évoluer les choses. Il a fait évoluer les choses dans d'autres domaines, mais sur ce domaine-là, il est resté quand même très à la surface des choses. Que le mandat donné à Kerry, justement lors de la conférence de Paris, on ne peut pas dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait des dirigeants qui étaient, qui n'avaient pas peur de dire les choses avec. C'est vrai aussi que l'actualité internationale aujourd'hui, il faut le dire, a relégué le problème palestinien un peu au second plan depuis quelques années. Hein. C'est pour ça que l'initiative française est très appréciée aussi. C'est parce qu'elle a remis quand même au premier plan le problème palestinien qui était passé complètement à l'arrière-plan. Il y a un espoir que ça va déboucher l'initiative française. L'initiative française, pour l'instant, il y a un certain nombre d'États qui ont répondu positivement. Il y a eu la première réunion qui s'est tenue à Paris là, il y a deux jours. Hein, et à partir de là, il y a des groupes de travail qui se mettent en place. L'initiative française, son idée, c'est de réunir le maximum d'États qui sont favorables à un processus de dialogue. Hein. Après, il faut que les Israéliens et les Palestiniens, je pense, eux, il n'y a pas de problème, ils sont prêts à entrer dans ce processus. Il faut que les Israéliens acceptent aussi d'entrer dans ce processus. Alors, les Israéliens, pour l'instant, répondent « nous, on est pour du bilatéral ». Évidemment, mais le bilatéral, c'est un dialogue complètement déséquilibré entre Israël et la Palestine. Ce qui est important, précisément, c'est qu'il y ait la pression internationale qui s'exerce. Bon. Et ensuite, si ça n'arrive pas à aboutir, la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passera. Et c'est là que, c'est vrai qu'à certains moments, la diplomatie française a dit que ça pourrait avoir pour conséquence la reconnaissance de l'État palestinien, que redoute quand même beaucoup Israël, parce que c'est un pas de plus vers l'entrée de la Palestine aux Nations Unies. Et c'est vrai que si la Palestine entre aux États-Unis, aux Nations Unies, par exemple, ça lui donne accès à la Cour pénale internationale, ce qui est quand même un enjeu énorme dans cette affaire. Et je vous dis, les Palestiniens disaient aussi ça pourrait être de soulever le problème de la colonisation au Conseil de sécurité. S'il est reconnu comme État, il peut demander également à d'autres États de venir également les protéger. Quoi, puisqu'il peut y avoir des accords entre États pour venir soutenir ou se battre contre une colonie militaire. C'est surtout la CPI. Oui, tout à fait. Parce que la Cour pénale internationale, c'est quand même.